bienvenue à la magnifique maison symphonique, maison de l'Orchestre symphonique de Montréal. Ici même se tient la 6e édition du cocktail Interjeunes Chambres, organisé par le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec à Montréal. En espérant que ça vous inspire dans vos démarches de réseautage, reportage MTL. Représentez-vous ici et que représente ces soirées pour vous? Bon, en fait, ce soir, le CMQ est présent parce que nous sommes membres au niveau du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Et comme la plupart des jeunes chambres de commerce et les ailes jeunesse et les ailes entrepreneurs, nous sommes présents dans ce cocktail Interjeunes Chambres qui représente à peu près une quinzaine de jeunes chambres à Montréal en visite officielle à l'OSM. Excellent. Et comment trouvez-vous la soirée? Quel est son but pour vous? Moi, je pense que l'implication des jeunes, ce n'est pas uniquement au milieu des affaires, mais aussi au niveau culturel et artistique. Et je pense que tout à l'heure, lors de la présentation, on a senti ce besoin d'ouverture des organisateurs de l'OSM pour avoir les jeunes et inviter les gens à venir assister à leur spectacle. Je pense que c'est une bonne manière de démontrer à l'OSM, aux organisateurs de l'OSM, qu'aussi les jeunes s'intéressent à la culture et à l'art. Donc, je pense que c'est une très bonne première par rapport au regroupement de sortir les 5 à 7 dans un cadre agréable, surtout que c'est une salle magnifique et tout le monde a entendu la présentation que c'est une des plus belles salles au Canada. Donc pour nous, ING Direct, ici ce soir au 6 à 8 RGCCQ ING, on est fiers et très contents d'être là aujourd'hui, développer la communauté, se mettre ensemble pour collaborer, pour améliorer Montréal, le Québec en entier et la communauté maghrébine aussi. Donc on vous remercie pour ce temps, on vous remercie pour cette chance de parler à la communauté et on continue le bon travail, faire des collaborations, parler à tout le monde, rencontrer des gens, c'est ce que nous on représente chez ING Direct et ces valeurs-là, on les retrouve ici ce soir. Saoul Polo, je suis président de la Chambre de commerce latino-américaine du Québec, un regroupement qui existe depuis déjà 5 ans et qui est membre du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec qui réunit 35 organisations comme la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes ici au cocktail Interjeunes Chambres, qui est une excellente occasion de réunir les différents membres des différentes jeunes chambres, membres du regroupement. Et c'est ça la mission de base du regroupement, qui est essentiellement de fédérer les différentes jeunes chambres entre elles et leurs membres et leur permettre de justement tisser des liens pour que ces liens-là, justement, puissent devenir créer des opportunités d'affaires et des opportunités professionnelles également. Donc, c'est la mission même du regroupement et c'est la raison pour laquelle notre chambre de commerce latino-américaine s'associe aussi dynamiquement au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Et on est ici aujourd'hui dans la maison de la symphonique, de l'Orchestre symphonique de Montréal pour nous accueillir dans le cadre du cocktail Interjeunes Chambres 2012 du regroupement des jeunes chambres. C'est une très belle soirée parce que c'est un événement qui marque la collaboration de différentes jeunes chambres ethniques. Alors, notamment la jeune chambre de commerce juive, la jeune chambre de commerce haïtienne, la CLAC, la REPAF, le regroupement des Africains. Alors, je suis très fier et heureux de faire partie de cet événement-là. Que représente cette soirée et puis la notion derrière pour vos membres? Écoutez, on est dans la nouvelle maison de l'Orchestre symphonique. Alors déjà, c'est quelque chose de très bien à souligner. Pour nos membres qui sont de la Jeune Chambre de commerce haïtienne de Montréal, ça montre qu'il y a également d'autres jeunes chambres qui, comme nous, travaillent à donner une valeur ajoutée à ses membres d'origine ethnique ou autre et montrer également à la société d'accueil l'impact positif qu'ils peuvent avoir et leur présence aussi dans le milieu des affaires. Je
suis analyste programmeur chez Vidéotron et puis je suis venu ici pour élargir mon réseau de contacts. Excellent. Vous vous êtes inscrit comment? Sur le site web et puis sur la page Facebook de l'événement. Il y avait un ami qui m'avait invité. J'ai dit oui, on va aller voir. Vous représentez, vous faites partie de quelle aile ou jeune chambre de commerce? Non, je ne fais partie d'aucune chambre de commerce. Je suis là pour découvrir ce que ça veut dire. Excellent. Cette soirée de réseautage organisée par le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Pour moi, c'est l'occasion de créer de nouveaux contacts parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Je vais peut-être démarrer mon entreprise et puis peut-être que je vais trouver mon comptable ici, peut-être que je vais trouver un assistant ou designer. Un cabinet de conseil, il peut avoir plein de surprises. Une responsable de ressources humaines peut-être. Bonsoir Michel, vice-président de la jeune chambre de commerce juive. Enchanté, bonsoir. Quel bel événement, vous êtes un peu derrière l'organisation et tout ça? Un peu, pas nécessairement derrière la logistique, mais bien sûr derrière la promotion, derrière le bon déroulement de l'événement. Je m'occupe pour m'assurer qu'il y a assez de manger sur les tables, que les gens qui ne sont pas contents, j'essaie de les rendre contents, de leur présenter. Les gens me voient parler sur scène, alors quoique je suis tout puissant, alors ça me fait plaisir de leur parler, de faire semblant. Mais voilà, un peu derrière le déroulement. Alors Michel, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'est-ce qu'on fait ici, c'est quel type d'événement, qui organise ça, rapidement peut-être en une phrase? En une phrase, c'est des différentes chambres de commerce qui représentent les différents groupes culturels à Montréal et qui d'après moi devraient réseauter, se parler, se connaître dans des circonstances reliées au monde des affaires. Parce que pour moi, le monde des affaires, c'est la meilleure façon d'éliminer, si on veut être très idéaliste, tous les préjugés, le racisme et tout ça. Écoutez, tout le monde veut faire affaire avec tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut que ses enfants puissent grandir dans une société avec tout ce qu'ils veulent, tout le monde veut prendre des vacances. Alors, pour faciliter l'intégration, c'est une longue phrase, j'avoue, pour faciliter l'intégration, pour faciliter le réseautage, pour que le monde vraiment arrive à se connaître, voilà, je me suis chargé des événements inter-jeunes chambres avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et j'invite bien sûr toujours tous les chambres de commerce culturelles de Montréal, ainsi que vous avez vu sur scène les chambres de commerce qui sont un peu avoisinants comme de la ville Saint-Laurent, de Laval, la Rive-Sud, etc. pour qu'ils viennent réseauter. Voilà. Michel, le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec est la première fois qu'il organise un événement à la Maison Symphonique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est fait et c'est quoi l'impact de ce superbe bijou montréalais? L'impact du super bijou, ben, je vais vous avouer que je ne suis pas encore venu écouter un concert, mais c'est sûr que l'impact va être énorme. Vous savez que Montréal est très bien connu pour tous les festivals, pour toute la culture. Alors qu'on ait une meilleure place pour l'orchestre symphonique pour se démontrer, pour se démarquer, tant mieux. J'ai très hâte de venir les écouter. Et votre première question, c'était cet événement? C'est la première fois que le regroupement organise un événement. Oui, absolument. Alors comment c'est arrivé? C'est que Winston Chan, qui est notre président du CA. Lui, il est membre des jeunes ambassadeurs de l'OSM. Excellent. Donc, il nous a suggéré, bien sûr, la nouvelle maison symphonique. Pour nous, on trouve que c'est toujours un très bel endroit de faire un 5 à 7 dans un endroit un peu artistique. En janvier, on l'avait fait au Centre Seagull des Arts de la scène. Alors là, la nouvelle maison symphonique, je trouve que ça fait une très belle ambiance. Personnellement, j'aime quand c'est pas très, très renfermé. On n'est pas claustrophobe. Par exemple, dans un restaurant, là, il y a le plafond est très haut, il y a de la place, on peut respirer. Pour moi, je trouve que surtout le but, c'est que les jeunes, le monde qui sont là, se rencontrent, se parlent et je ne veux pas qu'ils se sentent un peu, pas nécessairement intimidés, mais qu'ils soient un peu réticents à se parler. Alors, pour que le monde soit le plus confortable possible, j'aime ça avoir une grande place avec beaucoup d'air, beaucoup d'espace, qu'on se sent vraiment à l'aise de parler à tout le monde. Stéphanie Etou, je suis avocate et je suis la présidente du REPAF, qui est le réseau des entrepreneurs et professionnels africains. Alors Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, dans le cocktail des interjeunes chambres, que représente cette soirée pour vous dans cette magnifique maison? Ben, c'est sûr que c'est l'occasion de rencontrer des jeunes professionnels, entrepreneurs de la relève. Mais le plus du cocktail de la RJCCQ, c'est que ça nous permet de rencontrer des gens d'un peu partout, de toutes les différentes jeunes chambres montréalaises. Et ça, c'est une véritable richesse.
Vraiment. Quel est l'impact pour vos membres, ce type de soirée? Ben moi, je les encourage tous, mes membres, personnellement, je leur envoie des messages et tout pour leur dire, mais venez, parce que non seulement ça nous permet de promouvoir nos activités à nous, notre propre chambre, c'est sûr qu'il y a un élément en relation publique, mais ça permet également à ces membres-là de rencontrer des autres membres à qui ils n'ont pas l'occasion de parler, avec qui ils n'ont pas l'occasion de réseauter sur une base régulière. La directrice marketing de YCPA, qui est l'association des jeunes professionnels chinois. Puis là, le mandat se termine bientôt, donc en décembre. Que représente cette soirée de cocktails interjeunes chambres pour vous et pour vos membres? C'est une opportunité incroyable pour moi, honnêtement, parce qu'on est 10 chambres ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des liens vraiment à 10 chambres. Puis, c'est des ponts qu'on va créer, puis qu'on va garder. Puis, c'est vraiment une multiculturelle que je recherche ici, parce que chacun a un talent, que soit qu'on soit chinois, africain, haïtien, latino, on a chacun un talent. Puis, ce talent-là, aujourd'hui, on le partage. Et ça, j'encourage cette initiative-là, vraiment. Soirée interjeune chambre organisée par le RJCCQ, qu'est-ce que ça représente pour vous et pour vos membres? La soirée de ce soir est une soirée hyper intéressante pour pouvoir réseauter avec des gens de divers milieux, diverses organisations, diverses jeunes chambres, qui nous permet d'avoir un peu qu'est-ce qui se fait de bien au travers des jeunes chambres, puis comment que nous, on peut s'approprier des bonnes idées aussi, puis de pouvoir interchanger avec eux pour pouvoir amener une plus-value à nos membres. Donc, dans les activités de réseautage comme ce soir, dans le fond, c'est de pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques pour dire, nous, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour s'améliorer puis vous avoir des belles occasions pour pouvoir réseauter avec d'autres gens.